Une vingtaine de chercheurs, CNRS, INRA et INSERM mobilisés aujourd'hui à l'occasion du premier jour des Assises nationales de la recherche à Paris pour dénoncer ce qu'ils appellent la précarité massive dans les laboratoires et le non-respect de la loi Sauvadet de mars 2012 relative à la titularisation. Sur le terrain, la loi serait loin d'être appliquée. Toutes nos directions ont bloqué complètement les robinets et donc renouvelle aucun contrat. Et donc il n'y a pas de poste, aucune possibilité de CDIser et donc les contrats s'arrêtent et donc les gens sont renvoyés, comme on dit, à McDo ou autre. J'ai vadrouillé de CDD en CDD, je pense que c'est le 6 ou 7e CDD que je fais. Et voilà, on cumule. Et récemment, les RH de l'INSERM m'ont contacté pour me dire que je devais arrêter à 5 ans et 11 mois de signer des contrats chez eux, puisqu'à 6 ans, normalement, on doit être CDIsé. Donc à 5 ans et 11 mois, ils m'interdisent de continuer à signer des contrats chez eux. Ils m'ont donné ma date. Moi, pour l'instant, je suis en train de voir si on peut avoir des financements parallèles qui me permettraient de continuer à travailler, même si c'est en CDD, pour ne pas rester au chômage. Et après, essayer de se battre pour faire appliquer la loi. À l'INSERM, aujourd'hui, on compte 5 000 CDD pour 5 000 titulaires. Une délégation de chercheurs était reçue en préfecture dans l'après-midi.